Waouh! Madame, mesdames, bonjour et bienvenue sur Youtube. En tout cas, c'est de tout s'abonner, cliquez là sur abonner, vous activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Tout simplement. Ok. Ceci est un prank. Vous savez que nous aimons tous regarder les pranks, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose de vraiment très intéressant qui nous a intéressé dans un prank qui va réveiller l'esprit de tout le monde ici. Franchement, ça va vous réveiller les yeux. Soyez prêts. Soyez prêts! Let's go! Il y a un couple sur Internet. Si je vous dis le nom, vous sourirez. Ils ont plus de 1 million d'abonnés. Ils ont l'habitude, ce couple-là, c'est une famille. Ils ont 2 enfants et ils ont l'habitude de faire des pranks. Vous savez ce qu'on appelle les pranks? Ce sont les histoires de blagues, les blagues que les gens se font chaque jour. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Exactement. Et ils ont l'habitude de se faire des blagues. Ah! Après, ils font des trucs et puis après ils disent, c'était une blague un peu comme un poisson d'avril. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais un jour, voici quelque chose qui va se passer. La femme à ce monsieur-là, la femme à cet homme-là, va décider de lui faire une surprise. Le cadeau de sa vie, c'est-à-dire la chose que cet homme-là aime le plus. Ça sera quoi? Le cadeau de son histoire. Qu'est-ce que ça sera? Soyez prêts. Soyez prêts! Soyez vraiment prêts. Elle est allée voir son mari. Un bon matin, hein? Elle dit, chérie, viens s'il te plaît, j'ai une surprise pour toi. Tu es sûr? Est-ce que ce n'est pas un prank? Il dit, est-ce que ce n'est pas un prank? Est-ce que ce n'est pas un prank? Je suis sûr que tu viens de me pranker encore. C'est quelle surprise que tu as? Il hésitait. Est-ce que vous voyez? Il hésitait. Il ne savait pas s'il doit croire ou pas. Mais comme c'est sa femme, il dit ok, allons-y et nous allons voir. Donc, sa femme lui a dit, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Ah! Quand sa femme lui a dit ferme tes yeux, il dit ok, on va jouer le jeu. Mais si je suis sûr que c'est un prank, hein. Ah, elle dit non, c'est pas cette fois-ci, c'est pas un prank. Bien qu'elle disait à cet homme que ce n'est pas un prank, il ne la croyait pas parce qu'ils ont l'habitude de se faire des blagues. Donc il ne croyait même pas. Mais il suivait sa femme quand même. À un moment donné, ils sont arrivés où? Dans le garage. Arrivé dans le garage comme ça là. Elle lui a dit, ferme toujours tes yeux, suis-moi. Elle lui suivait sa femme. Quand elle lui a dit, ouvre les yeux, il était face au mur. Elle dit, tourne-toi et regarde à l'arrière s'il te plaît. Quoi? Selon vous, qu'est-ce qui sera derrière? Qu'est-ce qui sera derrière? C'est quelque chose qui va, que cet homme-là aime beaucoup. Qui va, ou encore, comment vous appelez ça? La surprise de sa vue, un truc pareil. Quelle est la chose que cet homme-là aime beaucoup? Vous allez comprendre. Ça va vous-même vous étonner. Peut-être que vous avez déjà vu ça. Et ça va vous amener même à comprendre ce que nous allons dire. Quand elle lui a dit, retourne, il tourne. Qu'est-ce qu'il voit derrière? Évidemment, c'est une voiture. Mais pas n'importe quelle voiture. C'est pas n'importe quelle voiture. C'était quoi? Une Lamborghini. Une Lamborghini Black. Décapotable. En haut là, ça se soulève comme ça. Quand elle a regardé ça, il dit c'est un prank. Elle comment ça c'est un prank? Tiens la clé. Il prend la clé, il dit, non, c'était pas. Eh bon, si tu veux, va consulter, regarde ce qui se trouve à l'intérieur, va voir les papiers. Vous savez que quand on achète les voitures là, il y a un papier,
y a ton nom, il y a tout ça qui confirme que tu as vraiment acheté la voiture et tout ça. Voilà. Et voici que cet homme va se rendre compte que il y a quoi? Son nom sur les papiers. Ça veut dire que ça, cette voiture qui coûte très cher appartient à cette personne. Ce n'était pas bon. Et c'est là, il va s'agiter. Wow, il est content. Et il saute. Il va maintenant sauter dans tous les sens. Fous le voir en train de sauter. Il saute dans tous les sens. Il est agité. Il est content maintenant. Ah, il saute dans tous les sens. Et puis, elle, la femme, elle était arrêtée là comme ça. Et puis, elle le regardait, elle l'observait. Et moi, ça a attiré mon attention. J'observais la femme. Pour voir pourquoi, pour essayer de comprendre pourquoi elle observait comme ça, elle observait tant. Et ça dit, quand tu veux la regarder, elle regarde son mari et ça sonne à vos oreilles que cette femme-là, on dirait qu'elle aime quelque chose sur cet homme-là. Mais qu'est-ce que c'est? Après ça, son mari l'a remercié et il lui a dit franchement, ça c'est la chose que j'aime le plus, franchement, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, vraiment. Ma femme vient de me donner le cadeau de ma vie, la chose que j'aime le plus au monde. Tu viens de réaliser mon rêve. Quand c'est fini, je me suis arrêté un moment. Il dit, mais cette femme-là, il y a quelque chose qui m'intéresse chez elle. C'est vrai, elle a donné quelque chose de très cher. Ça coûte très cher. Une Lamborghini de 2017. Ah! Quel est le prix? Imaginez-vous-même. Une femme qui a donné ça à son mari. C'est que vraiment, elle aime des... Ah, c'est ce que moi je vous dis. En tout cas, nous tous, on aimerait avoir une femme qui nous fait de telles surprises. Même un abonné, mais qui nous fait de telles surprises. Pourquoi? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Donc, ça a poussé ma curiosité. Et ma curiosité m'a poussé à aller regarder une deuxième vidéo où cette femme a encore fait une surprise à son mari. Ça, c'est une vidéo qui date précédente, c'est-à-dire avant la date, avant le jour. Ou après, bon, ça dépendra, mais la vidéo qui suit, ok, c'est après. Après ça, elle a fait encore une autre voiture à son mari. Et il était en joie. À un moment donné, elle allait s'asseoir dans le véhicule. Et elle a regardé son mari, elle lui a dit, tu sais pourquoi je t'offre tous ces cadeaux? Tu sais pourquoi? C'est pas parce que j'ai plus d'argent que toi, non. Je n'ai pas plus d'argent que toi. Mais si tu vois que je t'offre ce cadeau-là, et que je fais des sacrifices pour toi comme ça, c'est parce que j'aime te voir heureux. J'aime te voir en joie. J'aime te voir content. J'aime te voir sourire. C'est ce que j'aime chez toi. Son mari était arrêté là. Et il était dépassé même par ce qu'il attendait. En fait, à ce moment-là, il a oublié même ce cadeau-là. Il s'intéressait maintenant à ce qui se trouvait dans le cœur de sa femme. Ou encore ce que sa femme était en train de lui dire. Hey, mes frères et sœurs. C'est à ce moment-là que je me suis arrêté un moment. Ça m'a tellement touché que je me suis dit, comme nous formons une famille, maintenant nous avons dépassé les 7000 abonnés, il faut que je vous partage ce que j'ai ressenti. Pour que vous nous dites ce que vous pensez de cela. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce qui vous a touché dans ce témoignage ou encore dans ce prank? C'est le deuxième prank de la chaîne. Et c'est un point de réaction. Qu'est-ce qui vous a touché là-dessus? Dites-nous en partie commentaire ce qui vous a touché. Et si vous avez été vraiment touché, laissez un like pour vous faire savoir combien de fois vous avez été touché. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Union Souhaitant. Franchement, un tel geste, c'est très bon, c'est impeccable. Mais quand c'est suivi d'une telle expression de son cœur, ça dépasse tout. Ça dépasse tout. Ton mari n'a pas besoin même que tu lui donnes grand chose. Il a besoin que tu lui donnes de l'affection, de l'amour, quelque chose de concret et de sincère.
C'est de ça que tu as besoin. C'est de ça que ta femme aussi a besoin. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Parce que la prochaine vidéo va être excellente. Vu de la maladie, ça a commencé là. Ce qui va venir là va changer votre manière de voir votre conjoint. Votre manière de voir votre partenaire. Celui avec qui vous partagez votre vie là. Ça va changer votre manière de voir la chose. Positivement! Parce que moi, franchement, ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché.